Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Among Us, un jeu qui fait ravage chez les youtubeurs, chez les grands comme chez les petits. Je voulais vous en parler pour en toucher quelques mots parce que le jeu est gratuit sur téléphone et payant sur PC à 3,80€, un truc comme ça. Vous pouvez tout simplement en profiter en max parce que ce jeu est tout simplement très drôle, très rigolo. Passez un bon moment, même en famille, jouer à plusieurs, ça vaut le coup. Surtout qu'en ce moment, nous sommes confinés à 18h, donc profitez-en. Tout simplement, c'est un jeu où vous jouez, ça serait le mieux, c'est de jouer à 10, mais bon, on peut jouer à 8, 7, 6, c'est vous qui choisissez. Dans tout simplement, les gars ont une petite, quelques petits jeux qu'ils doivent faire. En même temps, dans les 10 bonhommes qui sont là, il y a un, deux ou trois tueurs. C'est nous qui choisissons. Et les tueurs doivent profiter pour éliminer les joueurs. Pour l'instant, que les autres doivent faire leur enquête pour savoir qui sont les tueurs. Profitez-en pour jouer à ce jeu car c'est vraiment une tuerie. On en parle aujourd'hui, nous allons parler aussi de Minecraft. Oui, pourquoi? Parce que j'ai repris le Minecraft en survie. Donc, je vous explique tout simplement, je fais du Minecraft sur la console, comme vous le savez. Mais aujourd'hui, je fais du Minecraft aussi survie sur PC. Pour ceux qui sont qui ça intéresse et qui voudraient jouer avec nous, vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour jouer avec nous à Minecraft en survie. Tout simplement, Yaz et Gunter nous ont déjà rejoints. Et nous sommes sur une map de Jano, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir avec nous, venez sur le Discord. Fortnite aussi, nous allons en parler aujourd'hui. Tout simplement, j'ai repris les lives Fortnite sur PC pour ceux qui sont intéressés. Fortnite, il y a plus de monde qui joue avec nous. J'ai créé une nouvelle map en construction. Qui est que déjà été testé par certains joueurs pour ceux que ça intéresse. Alors le Fortnite c'est le dimanche tout simplement rejoignez le Discord, dites-moi si vous êtes intéressé pour essayer la nouvelle map et vous le notez et on verra pour organiser ça le dimanche tous ensemble sur le jeu Fortnite. Allez, maintenant on va parler un petit peu de Fall Guys. Oui, Fall Guys, nouvelle découverte, nouveau jeu qui est arrivé il y a déjà un petit moment maintenant. C'est plutôt un jeu très intéressant, très très bien, très très drôle, moi je trouve. Après, je trouve qu'il manque quand même pas mal de joueurs. Il y a beaucoup de monde qui n'y joue pas, malheureusement. C'est un peu dommage. Mais par contre, dites-moi bien si vous êtes intéressé pour du Fall Guys aussi. Sur le Discord ou même en privé, vous pouvez écrire dans cette vidéo en privé, ça m'arrangerait de savoir parce que je compte en faire pas mal et j'aimerais bien savoir qui va jouer avec moi et qui voudra me suivre. Voilà, merci. Donc, dans ces deux dernières rubriques, avant de vous parler de Discord, nous allons parler de farming. Tout simplement, oui, j'ai commencé à jouer à farming avec fermiers passionnés. Ceux qui sont intéressés pour tout simplement faire du farming avec fermiers, dites-le-moi en privé. Ça serait sympa, comme ça je passerai le message à fermier. Ça pourrait lui faire quelques joueurs supplémentaires si vous le souhaitez. Donc dites-le-moi. Tout se passe dans le Discord pour ceux qui veulent le rejoindre. Profitez-en, venez en masse, il n'y a pas de souci, hein. On est là pour partager, jouer tous ensemble, donc venez, il n'y a pas de souci. Et sur R6, tout simplement, sachez que j'ai repris le jeu. Je rejoue sur PC comme je joue sur console. Comment dire? Je vais faire toujours les lives sur console. Je ne ferai pas de live sur PC. Le PC me sert juste à jouer moi de mon côté. Car quand j'ai envie de jouer tout seul, j'ai pas envie d'avoir tout le monde. Donc, c'est juste simplement ça. Je m'en servirai pas pour jouer sur PC. Donc, c'est pas la peine de me demander par rapport à ceux qui jouent sur PC à R6. Je ne jouerai pas avec les autres sur R6 sur PC. Voilà, tout simplement. Et pour finir, nous allons passer à un petit jeu parce que nous cherchons du monde. C'est pour Smite. Oui, nous cherchons du monde pour jouer avec Isoka.
Donc dites-moi ceux qui sont intéressés pour jouer avec nous à Smite. Bien sûr, Smite est un MOBA, si vous préférez. C'est un jeu très intéressant, moi j'aime bien. Après, il faut vraiment accrocher les MOBA. Donc ceux qui n'aiment pas, c'est sûr que ça sera assez compliqué. Le jeu est gratuit, donc vous pouvez le télécharger et nous rejoindre sur Discord pour y jouer avec moi et Isoka. Nous cherchons du monde. Donc quand on sera assez, on pourra jouer tous ensemble. Ça serait cool. Merci pour ça. Pour le Discord, donc comme vous avez pu voir pour certains et d'autres pas encore, j'espère que beaucoup rejoindront le Discord car c'est très intéressant. Nous avons un salon TikTok qui s'est ouvert. Donc pour tous ceux qui ont TikTok, vous pouvez poser vos TikTok hein, dessus. Nous avons un salon Pokémon Go qui s'est ouvert. Pour tous ceux qui font du Pokémon Go aussi, vous pouvez nous rejoindre avec grand plaisir. Nous avons aussi un salon foot. Bien sûr, nous regardons et partageons les matchs tous ensemble de la Ligue 1, de la Ligue 2 et tout le reste si on peut. Mais vous pouvez nous rejoindre aussi, Champions League et tout ça, bien sûr. Vous pouvez nous rejoindre pour commenter, partager, vous amuser, rigoler avec nous sur le Discord. Et nous avons créé aussi une vocale pour Among Us. Among Us qui est gratuit sur téléphone, n'oubliez pas. Un jeu plutôt drôle et sympathique, comme je l'ai déjà dit. Donc rejoignez-nous, ça serait cool qu'on soit bien plus nombreux pour jouer. Ça serait pas mal, franchement, ça serait drôle. Donc dites-le-moi, rejoignez le Discord et puis on pourra faire des choses bien plus palpitantes et bien plus intéressantes. Donc merci à tout le monde, je vous souhaite une très bonne fin de journée. En attendant, prenez soin de vous, c'était Richou et à la prochaine.